73-51, les stations fréquences de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Côté circulation, c'est tout cuirou, mais il y a déjà un peu plus de monde. Bonne journée à tous. Pas que le rouille avec le Dacia qui fout le bordel en haut du pont d'Aquitaine, la station. J'en étais sûr que tu serais là ce matin. Et gros bisous, mon Rémi, comment vas-tu? Oui, il reprend ce matin. Ah oui, non, bah, tout le monde reprend ce matin. Pour moi, je suis pas encore en vacances. Là, je suis en vacances les deux premières semaines de septembre. Bah, là, je m'en vais sur Mérignac. Aujourd'hui, je suis en 10h, donc c'est bon, 17h, je débauche. Demain, je serai en 12h. Putain, ça va piquer, là. 6h30, 18h30 pour demain. Au secours. Pour le coup, demain, c'est après aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire? Demain, je prendrai la moto plutôt. Hein. Parce que je crois qu'avec la circulation, ça dit quoi? Est-ce que je rentre à minuit demain soir? Ah, il est plus là. Attends, excuse-moi, Rémi, j'ai un nouveau mille-pas, on est en train de faire les tout le monde. Ok, hop, là, je suis en train de te perdre. Je suis en bas du pont d'Aquitaine. Ok, d'accord. T'aimes bien changer, toi, comme ça, de mille-pattes. J'espère, au moins, tu changes pas aussi souvent de femme que tu changes de mille-pattes. J'ai pas ici, mais tu sais, si jamais ça vient un peu plus bien, Ah, c'est sûr qu'il faut garder le piston bien lubrifié et tout ça. Donc oui, effectivement, il faut changer plusieurs fois. Ah oui, je vais réfléchir à la question. Moi, je ne parle pas de choses comme ça, là. Mais moi, bah, loin de moi, c'est bien. Bah, bien sûr, et la marmotte a mis le papier. Bon, allez, on va l'appeler là. Je fais de la peine maintenant, je vais faire du national, mon petit Rémi. Du coup, tu vas t'avoir beaucoup moins souvent maintenant. Ok, bon, bah, c'est les copains ailleurs qui vont être contents de t'entendre. Ouais, tu m'étonnes, ils vont pas être chez les voyageurs. Bah, pourtant, je suis muet. Hein. Mais bien sûr. Bon, par contre, il te faudra un peu plus de puissance parce que là, il y en a, là, tu vas être la risée de certains, là, pour le coup. Ouais, mais là, j'ai pas mon tour, en fait, j'ai monté ça en vitesse avant-hier, j'ai pas un peu réglé le tour, comprends. Bon, en tout cas, de mon possible, de mon côté, ça passe bien, la modulation est un peu faible. J'ai pas trop senti de différence. C'était un peu court. Voilà, je suis en train de passer sur le petit pont là qui enjambe le lac. Ok, moi ça t'entends bien, ouais. Ouais, mais là je vais pas trop être aussi, parce que j'ai pas réglé le temps, c'est pour ça. Ah oui, non mais je parlais pas de la puissance, hein, parce que le signal il est bon là ici. Hein. Voilà, je suis à 500 mètres de la sortie 5 Bordeaux Fret. C'est la modulation qui. J'ai déjà vu plus percutante avec chez toi. Ouais, mais à force, je règle tout ça correctement et après je passe que ça marche pas bien. Bon, mais surtout, non, Rémi, je ne vais pas t'entraîner parce que c'est le palabour. Je vais te faire plein de gros bisous. La bonne journée, amuse-toi bien. Et bonne amitié à Daniel et à toi, on va faire le chauffer. Ok, ça marche. Bonne journée à toi. Promène-toi bien, je te fais confiance. À plus. Allez, à plus. Ciao. Ok, ciao. Ouais, j'ai entendu quelqu'un appeler, c'était très très QRP de mon côté, avec un autre jour-bip, les 73-51, la station de Dandy 33 sur Mérignac. Ok Vega, c'est bon, ça arrive à passer, je sors juste du pro. Hein. Hop là, c'est reparti à nouveau, très QRP. Ok, si j'ai bien compris, premier jour de rentrée. Ok, d'accord, et eh bien, qu'est-ce que j'ai devant moi? C'est quoi ce bordel là qu'il y a? Ah non, d'adieu. Ah bah ben, oui, les joies des bouchons.
En plus de ça, qu'est-ce qu'il a sur sa remorque, lui, là-bas, hein? On dirait un tunnel, quoi. Excellent. Eh bien, toi, moi, je serai en vacances à partir du week-end prochain. Enfin, normalement, s'il n'y a pas un truc qui tombe pour samedi, on ne sait jamais. Ah, là, je t'ai perdu, là. Ah putain, non, c'est pas un tunnel, c'est un demi-tronc d'arbre. Oh la vache, il est énorme le bordel. Il fait la taille d'une la longueur d'une remorque de semi et tracté par... Ah ben non, il est creux le bordel. Ah non, non, non. On dira un tronc d'arbre creusé, creux, tiré par un 4x4, par un pick-up. Ah ouais, si ça change pas, je suis à la fin de la semaine, le week-end prochain, en vacances. Enfin, officiellement, c'est lundi prochain. Et ils me foutent en repos le week-end juste d'avant. Mais bon, on sait jamais. Bien souvent, il y a un truc qui tombe de samedi soir. Oh, ça passe plus de mon côté. Ah si, c'est passé très très QRP, j'ai entendu le Roger Bib dans le lointain. Est-ce que, vu que je viens de parler de vacances, j'imagine que tu me poses des questions à ce niveau-là. Je prends 2 semaines. Ouais, tous les ans, avec XYL, on prend les 2 premières semaines de septembre. Alors là, ce coup-ci, là, par contre, là, j'ai pas du tout... j'arrive pas à deviner ce que tu me dis, là. Désolé, mais... ce qui est sûr, c'est que déjà le dimanche prochain, on n'est pas là. Et le week-end suivant, dimanche prochain, on grimpe là chez le beau-père, là à Marennes. Et le week-end suivant, alors c'est vendredi, samedi, dimanche, lundi. On prend la route le vendredi, direction le Pas-de-Calais. Et pour y passer le week-end, parce qu'on a le fiston là qui est rendu là-haut, et on revient le lundi après. Bon ben j'ai plus rien qui passe là pour le moment de mon côté. Hein. Là il faut vraiment attendre que je me rapproche. Mais ça va être un petit peu long pour me rapprocher. Hein. Ah, je suis en train de passer au-dessus de la rocade. Ah putain la vache, oui. Direction du pont d'Aquitaine, ils sont tous à l'arrêt. Ah, il me semble te deviner par moment dans le lointain, mais j'en suis même pas sûr. Quelque chose qui gazouille là, mais c'est pas gagné. Tout le monde a repris le boulot aujourd'hui. Hein. Putain la vache. Attention, Vega 33 ou Dandy 33 qui voulant s'appeler. N'importe quoi. Attention, Vega 33 ou la belette pour Dandy 33 qui vous appelle. Et je m'appelle moi-même, n'importe quoi. Je ne m'étais pas faite celle-là encore. Ah, je suis trop cool. Là, il y a du fatigué. Hein. Attention, la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Vega, t'es rendu où?
Bon, je sais pas si tu as repris le micro, mais en tout cas, ça passe pas de mon côté. Donc, on verra ça tout à l'heure. Ah oui, 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 ça passe. Non, c'était mon Lincoln, en fait, quand tu mets trop fort, c'est ça qui me dit que c'est un peu décalé ou écrasé, mais ça m'a déjà là. Ok, d'accord, t'es au QR1 là, c'est ça? Ouais, je suis au QR1. Ah oui, tu viens juste d'arriver, moi. Alors, mais moi, je suis j'ai que 22 km. Putain, oui. Alors que moi là je suis toujours coincé dans les bouchons là sur la rocade. Je suis à la hauteur des chantiers là. Merde, je vois pas de sortie là. Je vois pas de numéro de sortie là pour le moment. Là. Et en plus c'est bloqué dans l'autre sens direction Bordeaux aussi. Moi là je suis dans le sens intérieur. Ah dans l'autre sens c'est bloqué aussi, ouais, bah, ça m'étonnerait pas quoi. C'est vrai que tout à l'heure j'avais vu. Non, oh, je sais plus ce que j'ai vu. Ah, tu mets la cravate toi encore? Putain, yeah, ça fait mettre du rat que j'ai jamais pu. Moi, que je suis en tenue de nuit, quoi, pour ainsi dire. Ça te va bien ça. Ah ça te va comme un gant ce genre de tenue. Moi ça va. Je suis pas quelqu'un d'assez bien moi pour que ça m'aille, moi, habillé comme ça. Alors, je vais le dire en pingouin, mais. Alors je peux vous proposer tout le dernier rôle pour elle, de la. Alors, qu'est-ce que... voilà. 500 mètres, sortie numéro 6, Bruges. Ah bah oui, la clinique Jean Villard. Voilà, je suis arrivé à nouveau là, dans la partie limitée à 90 km/h, mais en roulant à 50. C'est déjà pas mal, je roule. Je me plains pas. Ouais, je suis là. Et tu parlais de marais là tout à l'heure, tu croyais que voilà, la modulation est pas terrible. Je suis en train d'arriver au bas du pont d'Aquitaine. Non, marraine, j'ai le beau-père qui est là-bas, marraine. C'est pas pour le j'ai pas tout compris ce que tu as dit, mais je pense que tu vas faire allusion au salon de marraine. Celui-ci se déroule le dernier week-end de juillet. Et cette année, bah, il a été annulé parce que bon, ils ont eu besoin, enfin du moins pas le REP 17, mais la ville de Marraine ont eu besoin de la salle pour les vaccinations là, de Covid. Putain, si Roger Bip passe bien, la radio par contre c'est Radio Mégawatt. Hein. Attends, je suis en train de m'enfermer dans une espèce d'un four pour essayer de mieux t'entendre. Parce que là, c'est vrai que j'ai du bruit en plus de mon côté, c'est pas top. Ah bah si, on va qui se mettre à moustachier avec. Il y a du monde en fréquence, du coup, ça moustache. Je sais pas sur quel canal ils sont, mais ils doivent être pas loin de moi. Mais vraiment pas loin, vu comment ça moustacher. Vega, c'est pas toi des fois là que j'entends complètement barré. Ça recommence, si c'est le cas, ça recommence comme la dernière fois. Oui, c'est moi. Ah oui, d'accord. Alors là, la radio est très petite et juste avant, c'était complètement barré, hein, comme si tu étais sur un autre canal à côté de moi, quoi, en gros. En tout cas, je suis dans la montée là, du pont d'Aquitaine. Quel merdier, c'est contouriste. Ah, ouais, je sais pas, on aurait dit de la baie élue là, qu'il y avait.
Monsieur le 19, c'est pas top ça. Bon, il y en a un qui s'amuse là, apparemment à passer en BLU. Ouais, la station que j'ai entendue très QRP avec un Roger Bip, le 73-51, la station de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Enfin bref, dans la descente du pont d'Aquitaine, côté Normand. Ouais Gilles, on a en plus quelqu'un là qui fait le con là, en BLU sur le 19, ça l'abuse. Ah là c'est bon, là c'est nickel, c'est pas violent, c'est sûr. Là je suis dans le virage de l'Ormont, là entre le pont et le radar. C'est pas grave, j'approche la réparation et elle qui va arriver, mais j'avais le micro là, mais je crois que le mieux qui fonctionne jusqu'à maintenant c'est le Jackson. Hein. Oui mais les deux sont sûrs. Ah, c'est sûr qu'il est celui-là, il est solide. Hein. C'est avec l'ancien Jackson et l'ancien Grant, ces deux-là, ils avaient une espèce de réputation avant super. Tout le monde se l'arrachait, celui-là. Enfin, ceux-là. Oh, j'ai vachement de QRM, là, je suis à la hauteur de la sortie 2, l'Ormont. Hein. C'est fait que du coup, là, je n'étais pas du tout sorti. Là. Voilà, je suis. J'avance. Voilà, je suis en train d'attraper la bretelle d'accès vers la rocade de rive droite. Ah, c'est Radio Zéro, si c'est bien toi. Alors, les stations en fréquence qui sont sur la route et qui veulent aller en direction de Paris, là, depuis Bordeaux, que ce soit rocade Est comme Ouest, eh bien, oubliez, parce que c'est complètement bouché en direction de Paris. Et tout le monde est à l'arrêt. Hein. Alors, j'aurais pépette, les stations qui vont en direction de Paris, hein, qui sont sur la rocade Est comme Ouest, c'est complètement bouché. Passer le pont d'Aquitaine, c'est fini, tout le monde est à l'arrêt. Ouais, elle s'est retrouvée encore une connerie là par là, il y en a encore un qui a dû se foutre en l'air, que ça m'étonnerait pas. Quoi. Ils roulent tous dans le même sens et trouvent le moyen de s'y rentrer dedans. Ça, ça n'est encore qui sont. Alors, ce que je vois de plus en plus, en ce moment, c'est des gens, ils ont le téléphone juste devant les yeux, et puis ils se mettent des films, des clips vidéo, et ainsi de suite. Ils vont même jusqu'à. J'en ai vu même là qui vont mettre une plaque de scratch, et ils te plaquent leur téléphone dessus, quoi. C'est. Puis comme ça, ils matent plus, ils sont plus à mater leur téléphone que la route. Ah, évidemment, hein, quand ça se passe comme ça, ben, ça va pas loin. Hein. Obligé de trafiquer avec le président Bill, quelle honte. Ah, ben alors là, garde-le à vie celui-là. Putain, comment il passe bien. Ouais, le président Bill, c'est une honte, hein, ça va avoir tous ses postes et manger avec ça. Ah, pourquoi une honte. Au contraire, il est super. C'est lui le meilleur, c'est lui qui marche le mieux. Ah pourtant, j'ai rouvert la fenêtre parce que j'ai trop chaud là. Bon en tout cas, vu la circulation qu'il y a aujourd'hui, ça je m'y attendais de toute façon. Demain j'ai d'autres horaires, je suis en 6h30, 18h30. Hein. Alors comme j'ai pas envie d'arriver au cuir à 21h, demain, demain je prends la moto.
Après-demain, j'ai encore d'autres horaires. Là, je prendrai la voiture. Et vendredi, je reprendrai à nouveau la moto parce que il faudrait que je sois à l'heure pour la réunion. Hein. Là qu'on a au niveau de tous les membres là, de l'ERC. Et la civile sur la moto? Oui, hey, je suis pas multitâche. En voiture, je suis assis, j'ai quatre roues, donc c'est bon. En moto, il n'y a que deux roues, alors le temps de faire attention à tout, non, c'est sûr que là, je me vautre à coup sûr. Ça passe bien le vide là où tu es? Ouais, il n'est pas violent. Il est juste comme il faut, là, le Roger Bip. C'est pas la peine de mettre des milles et des ans dans les heures des postes pour avoir un petit qui marche aussi. Ah, je suis trois coups. Disons que c'est un super pied de nez aux grosses stations qui partent du principe que, de toute façon, il n'y a pas mieux que leur gros poste. Ben si, la preuve. Celui-ci, un tout petit 40 canaux à MFM ou à M, eh ben, il fait encore mieux le job que les autres. Avec un micro d'origine. Micro d'origine en plus. Ah oui. Bah, j'ai le micro qui va arriver, on va voir si c'est bien. Bon, attends, je suis dans le trou là, j'ai passé la station essence. Je suis sur la bretelle de sortie, là, de la sortie 26. Hein. Là, c'est un peu compliqué, là, ton trou. Dès que je suis dégagé, je te rappelle. Allez, Gilles, pour Dundee 33. Attention, Vega 33 pour Dundee 33. Là, si tu m'entends, je suis à nouveau en hauteur. Là, je suis là, quasiment au feu de la sortie 26, là, en haut. Oui, je te reçois. Tu disais que t'étais où? Voilà, je suis à quelques mètres des feux, là, de la sortie 26. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? J'ai l'impression que j'ai dit une connerie. Je suis à quoi, là? À 50 mètres, là, des feux de la sortie 26. Ben, ça va, t'as réussi à te dégager. Ouais, ouais, et puis pour ce temps-là, ça m'a permis de ventiler la voiture, car il fait un peu chaud dedans. Alors, j'ai un Lincoln qui marche pas, un Jack qui ne marche pas, et super, j'ai pris que le vide, je vais manger le prochain Paris. Ah, j'ai vu la photo de l'autre poste, c'est vrai qu'il est joli. Hein. Par contre, la série de boutons en haut à gauche, ils sont tout petits. Quoi. On a l'impression qu'il faut un cure-dent pour appuyer dessus. Ah, chie trois coups. Ah oui, tu parles du Bill? Non, l'autre gros. Hein. Ah, l'Alenco. Oui, voilà, celui-là. Bah, il est plus grand que le tien et il fait la même taille que le 6009, je crois. La même taille que le 6009, la même taille que le 7009, la même taille que le 3009, ouais, je crois. Ça doit être dans ces gabarits-là. Après, en longueur, je ne sais pas ce qu'il vaut. Il a les mêmes fonctions et en plus, il se débride exactement de la même façon. Hein. D'accord. Il se débride de la même façon que le 6009. Ok, d'accord, parce que j'en ai débris d'hier il n'y a pas longtemps à 6009, justement. Ok, ben ça, tu vois, c'est la question que je me suis toujours posée. Il a à peu près la même gueule, en plus jolie. Et c'est vrai que j'avais un doute sur le clarifieur. Et bien là, tu me confirmes que c'est la même chose. D'accord, ok. Eh ben non, je me suis pris la tête pendant 3 mois, je me suis pris la tête, hein, je déconne. Il m'a pas mal agacé là, pendant les 3 mois que j'ai eu là, le 6009. Je l'ai revendu à cause de ça, justement, soit tu es en clarifieur,
Et là, tu perds le décalage en fréquence, soit ton décalage en fréquence, tu perds le clarifieur. Et merde. Ah si, bon, celui-là qui me l'a racheté, lui, ça ne lui dérangeait pas du tout. Ben, si lui, ça ne lui a pas dérangé, ben moi non plus. Hein. Et tant mieux, j'ai fait un euro, moi, en le revendant. Mais c'est vrai, je me suis dit, ces postes-là, moi, plus jamais. Hein. C'est... j'aurais mieux fait de mieux me renseigner avant de l'acheter celui-ci. Quoique, je l'avais acheté d'occasion. Hein. Et c'est vrai qu'on m'avait pas tout dit là, quand je l'ai acheté. C'est dommage parce qu'il a une belle gueule et ça gâche. Oui, voilà, exactement. Ils auraient pu mettre comme sur le 3009, comme sur le 7009, le double bouton, voilà. Ah, le gros pour le décalage en fréquence et le petit en intérieur pour le clarifier. C'est pourtant très simple. Hein. Ouais, ils sont allés me mettre ce truc à cran. Ouais, aussi, oui. Qui filtre moins bien que d'autres. Hein. Alors, ça, après, ça dépend du jour où tu te fais placer, c'est pareil. Bon, il est fini, on voit le divers, c'est bon, j'y suis. Les 73-51 retournés de Dandy 33, voilà, sur la nationale 89, entre Bordeaux et La Poste. Ouais, oh, putain, comment il va péter les oreilles avec le routier VIP. Je suis en train de trafiquer avec un bill parce que j'ai des passes à réparation, il y en a qui va pas tarder à y aller, sinon ça va. C'est pas possible. Oh, le Lincoln, quand tu baisses la puissance de l'aiguille du tosmètre, monte, quand tu baisses la puissance, on n'entend plus rien. Oh, c'est pas grave. Et j'ai grillé le RCI, il est chez Christophe. Oh, merde. Il est en réparation. Force manœuvre. Aïe, 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 Vas-y, vas-y, raconte, on veut savoir, vas-y, sors les dossiers. Alors, j'ai voulu mettre une pièce dans le coffre pour qu'il puisse caler le poste avec un tournevis et j'ai fait un court circuit. Oh le con. Ah si. Alors certains te diront qu'il faut prendre des tournevis en plastique ou en nylon. Non, je sais plus, là, je suis en train de dire une connerie. Je sais plus en quelle matière, non métallique en tout cas, non ferreux, ça c'est sûr. Avec un bon cure-dent ou un manche de petit pinceau, tu le tailles Il a un chat noir chez lui, il a un chat noir. Non, mon chat il est blanc. Non, j'ai bazardé la base. Oh, je suis toujours face. Je ne conserve même pas. J'ai exactement le même vis que dans les années 90. Je faisais exactement pareil. Alors, ce temps-là, tu ne dis rien. Ben, je sais pas trop, je sais pas ce que t'en penses, Andy, mais c'est dur, hein. Pourriez lui laisser un dégât, ça.
Ah, tu m'étonnes, Vega, testeur de matériel. Ah là, il n'y a pas de souci. Ah ben voilà, je vais trouver une vocation. Vous voulez tester votre matériel, confiez-le à VK33. Il va vous le tester. Si ça lui résiste entre les mains, c'est bon, vous êtes tranquille, ami. Putain, et j'ai le slogan avec même. Ah chi. Bah, je vais pas savoir pourquoi. C'est pas ça, j'ai voulu brancher tous les postes sur une couleur d'antenne, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Ah ça, si c'est pas un truc dédié vraiment pour cette fonction-là, parce que d'autres le font aussi, ils prennent un coupleur, un poste, plusieurs antennes. Si ça marche à l'envers, si ça marche à l'envers, eh bien allez-y, amusez-vous. Mais le problème, c'est que quand c'est pas dédié comme ça pour, cette info, je ne l'ai pas inventée, je la tiens justement de quelques radioamateurs que je connais. Tu te retrouves avec des retours à chef de par la tresse qui vont dans les postes, même si les autres postes sont éteints, ça peut arriver. Et là, bon ben voilà, dommage. Non mais là, s'il y a un coupleur, c'est une sortie antenne et 4 entrées civiles. Ouais, tu es sûr qu'il est vraiment dédié à ça? Écoute, je vais les tout démonter, les essayer un par un, hein, mais je crois que c'est trop tard. Le Lincoln, de toute façon, t'as vu, le sens que ça, c'est pourri. Hein. Aïe. C'est impressionnant celui-là. Ben, tu fais comme moi, tu comprends pourquoi je suis en tête sur mon doigt. Voilà, une antenne, le poids, la chine. Je vous remets pas une nouvelle série, moi, c'est fini, là. Je vais pas les faire tourner le chemin. Faut que j'ai du courage, moi. Et ta maison, elle a quatre coins. Une antenne aux quatre coins. Et voilà, là, t'as la solution. Ah la vache, ouais, c'est cracra. Ah, c'est un joli bip. Rien que pour ça, garde-le le Lincoln. Rien que pour les bips. Pour ma part, ça me dit rien du tout là. Ça me parle pas là. C'est ouais, je serais curieux de voir ça. Quoi. Là, je suis en train d'arriver à la sortie 9, à la rocade de Libourne. Mais ça me parle, la description de l'antenne me parle. Je crois que j'ai ça sur le forum en plus. Sous quel nom, je ne saurais pas te dire, mais je crois que j'ai ça sur le forum. Et j'ai dû la partager à un moment donné sur le groupe Facebook, la planète civile francophone. Oh oui, ça, la description me parle beaucoup même. C'est au NDRG.
jusqu'à la montée. Ok, d'accord, ouais, ça serait sympa de voir en photo là ce qu'elle donne. On a donné ta copie ? Oh oui, j'ai la copie, vu la voix, j'aurais envie de dire 88. Oh, j'ai reconnu Isabelle, le 88 Isabelle. Ça va ? Ah ben maintenant ça va, oui, sur Bordeaux c'est le caca, là je suis sur la rocade de Libourne. Ok, c'est assez QRP là de mon côté, mais bon, ça passe quand même, puisque je t'ai reconnu. Ouais, au fait, vendredi soir, tu seras sur la Réunion 2.0. Est-ce que vendredi prochain, à 19h, tu seras sur la Réunion de l'ERCI ? Ouais, je vais faire mon possible pour y être. Vendredi, je prendrai exprès la moto pour être sûr d'arriver à l'heure au QRA. Ouais, non, mais ça devrait le faire. Là, déjà, je vois l'heure. Non, mais ça devrait le faire. En voiture, j'aurais été moins confiant. Mais là, avec la moto, bon, je ferai des remontées de fil. Ça, ok. Ça, c'est sûr. Mais je devrais y être. Et puis, nous, de nos côtés, on fera un peu rotinatoire. Hachi ! Ah, je suis toujours sur la rocade de Libourne. Alors, c'est pas mieux. Ok, d'accord. Là, je t'ai répondu, j'étais en train de passer sur un pont. Là, je suis entre deux ponts. Alors, attends, j'arrive sur le pont suivant. Ok, voilà. Là, je suis en train de passer sur le pont suivant de la rocade de Libourne. Ah, il faudrait que je m'arrête en plein dessus, quoi. Tiens, retour de micro du côté de Centrale Cul-de-sac. Ben ça y est, j'ai bouffé ce QRZ qui passe aussi très fort de ce côté-là. Ah, je suis en train de dire, c'est un nouveau chiffre, Isabelle, on s'est bien confié. Il y a un petit moment, là, avec mon IBU et l'Ombiane. La station Conca, opérateur prédéchis, nous allons tous attendre une Cul-de-sac en fixe. Je pense que je cours jusqu'à là-bas, là. Je suis avec la galaxie, avec les modes d'origine, c'est peut-être pour ça, me sort peut-être pas. Ouais, j'ai l'impression. Attends, redis-moi ton QRZ. Station Conca, comme la boisson, c'est OCA. Putain, j'ai cru avoir mal compris, quoi. Ouais, c'est. Tu as Coca-Cola, Coca, pardon, tu as Coca, là, ce central de cul-de-sac, là, qui est en même temps, là, sur le canal de la route. Ok, tu as les Coca, tu as les 88 d'Isabelle, mais t'entends très très QRP, elle ne comprend pas ce que tu dis. Bon, en tout cas, je suis en train de passer au-dessus de la Dordogne, là sur la rocade de Libourne, pour attraper la sortie de Bergerac. Ah, j'ai entendu une moustache derrière, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est posé derrière, mais qui en voit sans problème. Je sais pas si c'est un moment là, je suis en plein dans les QRM là, de Citroën, là, Libourne. Là. Putain la vache, c'est parasite que j'ai là, moi. Je sais pas, ouais, je t'ai entendu, Coca, il n'y a pas de souci. Ouais, je sais pas où c'était, mais moi aussi, c'est ma moustachée. Ah, vous voyez, bon, évidemment, on squatte le 19. Ça, je dirais pas le contraire. Mais dès que quelqu'un se signale, eh bien voilà, on lui laisse la place.
Et en fin de compte, ce que l'on fait, eh bien, on montre qu'il y a de l'activité. Donc, c'est du pain béni, c'est tout gagné. On montre qu'il y a du monde en fréquence. Et ça c'est génial. Ouais, ok, là je suis en train de perdre tout le monde. Hein. Voilà, je suis au niveau des boutiques là. Là en sortie Libourne, direction Castillon-la-Bataille. Là je suis vraiment là, tu m'es arrivé très très QRP là. Ah oui, c'est vraiment ta dubinette. Pardon, c'est vraiment ta dubinette là que je fais. Hein. De mon côté, c'est pareil, moi je vais QRP, j'attends du monde au QRA. Donc, vous pouvez envoyer mon signe d'avis tant que je fais mon tour de ferme, hein, mon niveau de ferme, ça passait pas trop mal chez moi. Ouais, j'ai remonté le volume. Et toi, tu me passes toujours aussi bien, ça, il n'y a pas de problème. Ok, bah tiens, je vais laisser refroidir tout ça. Le bonhomme avec, en rouvrant les fenêtres du bouche, parce que là, il fait un peu chaud, hein. Ça fait un petit peu sauna là-dedans. Hein. Donc, les 73-51, tout le monde, 88 Isabelle, si tu arrives encore à m'entendre. Ouais, je suis en train d'arriver au niveau du Bois de l'Or. Voilà, sortie Libourne. Et pour ceux qui restent en fréquence, pour QSO à vous tous, voilà, j'ai besoin de prendre l'air, car je commence à étouffer là. Merci pour le QSO, bye. Ciao, ciao, le mini, à bientôt. Ok, ça marche. Là, ouais, t'es passé bien comme il faut. Ah, quand même, il réagit le radar automatique. Depuis tout à l'heure, je suis à 50, il m'a affiché 60, ce con. Mais le technique, oui, mais il fait pareil. Ok, 73-51, 88 à tous. Isabelle, c'était un CQRP, là, de mon côté. Donc, bonne soirée à tous. Eh bien, il y a du monde. Ouais, je suis un petit bon.
Ouais, c'est bizarre. Ouais. Et là, c'est avec le statut.